Vidéo pour vous modéliser l'utilisation des étiquettes dans l'enseignement du sens du nombre en première année. Vous y trouverez d'abord une leçon sur l'enseignement d'un nombre et par la suite des idées d'activités à réaliser par les enfants avec les étiquettes. On travaille la trentaine cette semaine, alors on va travailler avec notre boîte mathématique. Alors, va trouver ta boîte mathématique, tu pourras regarder au tableau, on va le faire avec la lampe document. Alors, on va commencer avec nos chiffres. Alors, va trouver les deux chiffres qui font 38. 38. Alors, tu te souviens du tr. Au début, qu'est-ce qu'on entend? On entend comme un... Oui, comme un 3. 38. Alors, tu te souviens que 30 à la honte, c'était des paquets de 10. Donc, 3 paquets de 10. Et le 8 ici qui dit toujours, oui, la vérité. Donc, 38. On va aller trouver maintenant nos mots qui font le mot 38. Tu te souviens? 38, ça commence un petit peu comme... Ben, pas un petit peu, ça commence comme 3. Donc, on va ici trouver notre 30. Et 8. On a aussi notre à la fin comme indice pour trouver le mot 8 qui dit toujours la vérité. 30, on vient de le dire, hein, c'est des paquets de 10. Donc, dans 30, il y a, oui, 3 paquets de 10. Donc, je vais aller trouver mes boîtes de 10. Alors, s'il y en a, on va les mettre ici que tu vois tout. Donc, 3 boîtes de 10. 3 paquets de 10. 38. Alors, on va aller trouver 8 dans notre boîte de 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient qu'est-ce qui faisait 8? Oui, c'est le 5 et le 3, hein? Tu te souviens? Donc, 8 qui fait, il y a aussi 2. Oui, 2 de moins que 10. Donc, 38. Puis, bravo, tu l'as trouvé. On va aller maintenant chercher nos mains lignées. Alors, c'est un peu la même chose. Donc, 30 encore, on va aller chercher. Qu'est-ce qui fait 30? J'ai besoin de, oui, 3 paquets de 10. Alors, on va trouver hein, nos deux mains ensemble qui font 10. Et le 8 qui dit la vérité. Oui, c'est vrai comme tantôt, hein, on disait que 5 et 8, et 3, pardon, qui font 8. Bravo! Alors, on peut faire tout ça avec le nombre 38.